la bouillabaisse, plus il y a de poissons et plus d'espèces différentes, et meilleur c'est. Donc, on l'a fait beaucoup. Et je me suis aperçu, quand il en reste, que réchauffé, remis dans le bouillon, et simplement réchauffé le lendemain, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Alors donc on espère qu'il en reste un peu, quoi, pour pouvoir la bouffer demain entre nous. Alors, au fond, j'y mets les oignons. Là, il y a les oignons. J'ai mis des pommes de terre coupées en rondelles, des moules, ça donne un assez bon goût. J'ai mis un bouquet garni, et là-dessus, je mets mes poissons. Alors, la vive, une vive, ça c'est un petit poisson blanc, un corbe. Ça c'est ce qu'on a, poisson de roche, une vieille. Alors, les vieilles, il y en a plusieurs, et elles n'ont pas toutes la même couleur. Là, ça c'est encore un poisson de roche, ça c'est de la murène, ça c'est un magnifique chapon, ça c'est un autre chapon, c'est un poisson excellent, le chapon, ça c'est un petit chapon, ça c'est une rascasse, petite rascasse, ça c'est encore du chapon, ça c'est encore une vieille d'une autre couleur que l'autre, c'est du poisson de roche, ça c'est une rascasse blanche qu'on appelle curé. C'est du curé. Ça, c'est encore une petite vieille. Ça, c'est encore une vive. La vive, j'aime bien la vive, c'est un poisson qui reste ferme. Ça, c'est une petite dorade. Ça, c'est encore de la murène. Du chapon. Le chapon est un poisson extraordinaire. Ça c'est la queue de la murène. Alors je la mets dans la bouillabaisse parce que ça donne le goût et tout, mais à partir de là, c'est plein d'arêtes, c'est pratiquement pas mangeable. Donc voilà, les morceaux mangeables, je les ai coupés. Ça c'est encore un petit curé. Voilà, encore de la murène. Et puis encore des chapons. Puis alors, un crabe. Alors là, quand j'arrive à trouver des crabes, j'en ai plusieurs, mais il n'y en avait pas. Alors. Vas-y. Ouais. Bon, alors, après le safran, je mets du gros sel. Du gros sel. Quelques tours de poivre du moulin. Voilà. Du vin blanc. Alors pourquoi tu mets du vin blanc? Alors le vin blanc, je vais t'expliquer. Avant, je ne mettais pas de vin blanc. Et puis un jour, je mangeais une bouillabaisse chez mon copain Loulou, le pêcheur. Et il m'a dit, moi je mets du vin blanc parce que ça te permet de conserver les pommes de terre, les tranches, impeccables. Autrement, elles s'écrasent un peu. Alors moi j'ai dit, après tout, le vin blanc, hein, ça ne peut pas faire de mal. Donc depuis, je mets du vin blanc. Et c'est très bon. Alors, de l'huile d'olive, indispensable aussi. Voilà. Très bien. Voilà, alors maintenant, ça va rester comme ça, à mariner un peu. Dans une heure, je le tourne. Pour que tout le poisson soit un peu truc. Et jusqu'à ce soir, je vais le tourner tranquillement, 3-4 fois, quoi. Et après, alors, ça c'était autre chose. Très délicat aussi, on verra ça plus tard. Il ne faut pas y penser tout de suite. Chaque chose en son temps. Voilà. Ça c'est de la sèche, les morceaux que je vais faire cuire, parce que comme c'est assez dur, ça n'a pas le temps de cuire que le temps de la bouillabaisse, donc j'ai fait cuire un peu avant,
Et en plus, ça fait l'eau de cuisson. Ça donne un très bon goût. Je le rajoute à la... au bouillon de bouillabaisse. Voilà. Alors, je mets un peu de sel. Voilà. Après, je mets ça sur le feu. Alors, je suis en train de piler de l'ail avec du piment. Voilà. Je ferme ma rouille. Alors, normalement, ma rouille se fait avec de la pomme de terre, de la mie, des œufs de poisson qu'on monte, qu'on mélange avec du piment. Mais moi, je fais une mayonnaise bien pimentée, bien aillée. On ne pourra pas le dire. Alors, huile d'olive, je mélange avec un petit peu d'huile normale. Autrement, c'est trop fort. Voilà. C'est tout bon. Alors maintenant, je vais y mettre, pour l'agrémenter, je vais y mettre un sachet de safran. Alors, les sèches qu'on a fait cuire tout à l'heure, le jus va donner un bon goût. Voilà, on met ça là-dessus. Voilà. Ça, c'est bon. Et alors, ça, c'est la soupe. Alors, la soupe, voilà, est toute faite parce que je l'avais faite à l'avance, parce que c'est un petit peu ce qu'il y a de plus. C'est assez compliqué. En fait, c'est un peu les mêmes poissons que ça, des petits poissons de roche. Là, il y a des petites dorades, des petits... Puis alors, dedans, il y a tous ces petits poissons de roche, des sarans, des girelles... qu'on fait dans une marmite, on fait huile d'olive avec oignon qu'on fait légèrement roussir comme ça, de la tomate ou du concentré de tomate qu'on fait roussir un petit peu, on met tous ces petits poissons là-dedans avec deux branches de fenouil et on fait revenir tout ça, ça s'écrase, après on met de l'eau. Et on fait cuire ça, bouillir ça, une bonne demi-heure. Pour toute cette pâte de poisson, en fait, ces poissons cuits, il faut les écraser, les passer à la moulinette pour ne garder que le jus. Voilà, alors après la suite, c'est que on va faire cuire, on va faire bouillir cette soupe. Après, on met ça sur le réchaud. Quand ça est un petit peu chaud, on verse la soupe bouillante dessus, le bouillon, et on laisse cuire en général un quart d'heure. On sort la pomme de terre, et quand la pomme de terre est cuite, c'est que le poisson est bon. Quand le liquide, la soupe a bouillu là-dedans, je l'ai versé là-dedans, j'avais mis ça sur le feu. Et maintenant, j'attends que le goût reprenne. Et partant de là, on attend un petit quart d'heure. Je suis particulièrement fort.
c'est angoissant. Surtout quand tu sens que les gens attendent comme ça derrière. D'habitude on ne fait pas comme ça. Oh là là, on a l'habitude de les manger. Oh, ils la font comme ça, ils la font comme ça. Alors chez Michel, chez dans les grands restaurants, machin, il la fait pas comme ça. Comme je peux, moi. Là, je mets le bouillon dans la soupière pour pouvoir avoir le bouillon, la soupe à part. Après, je vais mettre, quand il y aura un peu moins de bouillon, je vais mettre le poisson dans un plat. Ah, sur le téléphone. Il est bien. Ça se voit tout de suite. Hop là. Et je me suis aperçu, quand il en reste, que réchauffé, remis dans le bouillon, et simplement réchauffé le lendemain, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Alors donc on espère qu'il en reste un peu, quoi, pour pouvoir la bouffer demain entre nous. Voilà. Et puis alors après, s'il en reste encore, le troisième jour, alors là, tu dépiotes à la main. Mais ça, c'est un boulot. Moi, je fais ça le matin très, très, très tôt. Autrement, je me fais engueuler parce que j'en ai partout. Et tu dépiotes à la main, tu vois. Et alors, tu gardes que la chair. Quelquefois, il reste des petites moules. Et ça, avec la rouille que tu verras tout à l'heure qui reste, ou une petite mayonnaise qu'on fait, ah, c'est quelque chose de fabuleux. Autrement dit, d'accord, il y a beaucoup de poissons, ça revient cher, mais tu bouffes trois jours. Donc, et puis c'est bon.